Attention, go! Ah, j'étais sûr. Ah là, ça l'a mis hors de lui. Maintenant, il est vénère. Et voilà. En mode boss. Et là, moi, il va me péter ma gueule. Je vais me mettre au niveau de la croix. Yo tout le monde, c'est Killora, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau DLC. Et même pas je dis un nouveau DLC, mais je dis déjà une bêtise dès le départ alors que cette vidéo n'a même pas encore commencé. Sur un nouveau jeu, Suicide Guy Sleeping Deeply. Donc en fait c'est la suite du Suicide Guys de base. Et en fait je ne savais absolument pas que quand j'ai fini l'aventure sur Suicide Guys, et ben il y en a une nouvelle qui a démarré. Donc Sleeping Deeply, on va commencer maintenant sans perdre de temps. Vous me voyez direct avec les lunettes, c'est parce que j'ai mal aux yeux. Avec les éclairages et tout, donc je mets les lunettes maintenant directement. Donc on va commencer maintenant. Alors je sais pas comment ça va se passer son histoire. Parce que la première fois il renversait la bière. Me dites pas que ça va recommencer. Extra strong. Oui, bien sûr. 99,9% d'alcool. Le mec. Ouah. Je vais pouvoir m'alcooliser, putain. Non mais genre. Alors qu'est-ce qui va se passer avec celui-là? Ok. Ouais. Donc il s'endort parce que je pense que là elle est trop forte au niveau alcool. Ça se trouve le mec est mort, hein. Il y avait trop d'alcool, le mec ça l'a détruit d'un coup. Il est décédé. Oh là, oh là. On navigue. On navigue mon capitaine. Where am I this time? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Une tentacule! Un kraken? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Un kraken? C'est forcément un kraken, je ne vois pas autre chose. Oh là, ça part à... Non mais... Je... Vers l'infini et l'au-delà! Ah bah j'étais pas trop loin. Non mais... Super l'aventure! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah yeah! Ça commence dès le départ comme ça? Mais c'est excellent! Attendez, je passe mon clavier en... Voilà, c'est bon. Yeah! Donc je trouve que je trouve un moyen pour qu'il me tue. Donc, qu'est-ce qu'on... Je vais baisser un peu le son. Donc, qu'est-ce que je vois? Ici, on a une croix avec ici quelque chose à actionner. Je pense potentiellement l'œil à récupérer. Est-ce qu'on a le droit d'aller chercher l'œil? Oh, attendez, j'ai l'impression que ces niveaux sont beaucoup plus complexes que les anciens quand même. Hein. Attendez, ici on a une caisse. La caisse, elle doit forcément nous servir à quelque chose. Son œil, on peut pas le interagir avec. Ah si, on peut interagir avec l'œil. On va catapulter son œil pour qu'il puisse le récupérer. Et comme ça, il va nous écraser après. Parce qu'il aura récupéré son œil. Et là, il peut pas nous tuer, il est aveugle, machin. Non mais c'est la première fois que dans l'histoire du jeu vidéo, je dois aider un monstre pour qu'il me tue. D'habitude, si je puis me permettre, c'est l'effet inverse. C'est moi qui dois buter le monstre. Mais après, c'est que c'est un avis totalement personnel. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Hop. On y est presque. Hein. Je pense clairement qu'on est sur une bonne idée. Ici, on a une statuette que j'ai totalement la flemme d'aller récupérer. Donc, je vais pas vous mentir. Du coup, je vais pas la récupérer. Voilà. Ici. Voilà. Ok. Mais comment maintenant l'œil... Ah mais attendez, non, ça c'est trop facile. L'œil, il faut bien que je le ramène. Il doit bien y avoir un système de poulie, un truc. Alors attendez. Il est pas mal ce nouveau Suicide Guy, franchement. On est toujours sur le même concept, mais pas mal. Ah, yeah! Voilà, ok. Donc, c'est trop bien, ça a moi de le bouger comme ça. Là, je pense qu'on est bon, non? On tente? On tente. Yeah! On est bon! On tente. Allez, c'est parti! Mais non! Putain! Il fallait le bouger! J'ai l'impression qu'il n'y a rien pour faire pivoter l'appareil, en fait. Je suis en train de regarder. J'ai regardé. Et je vois rien pour faire pivoter l'appareil. Donc, de toute façon, si ça part, ça part d'un coup, hein.
À moins que c'est pas ça que je dois mettre, mais je suis sûre que moi c'est ça. Et c'est pas moi qui dois me mettre dedans, parce qu'il faut bien que je l'active, ça. Parce qu'au début, j'avais pensé à me catapulter dans sa bouche. Mais je pense que non. Bon, on va le faire. Ah, ça y est! Ça y est! Ça a marché! Il est amoureux? Attendez, je vais le voir. T'es tombé amoureux de moi? Me dites pas que là, l'espèce de rocher, genre, il faudrait que je lui mette dans sa gueule. Que je lui envoie un truc dans la gueule. Pour qu'il devienne méchant avec moi. Ne me dites pas ça. Qu'est-ce que c'est que cet épisode? Ça, c'est beaucoup trop gros. Vous avez vu la taille du... Ça marchera pas, un truc pareil. Si elle peut le grab, franchement... Bon, bah, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Par contre, il faut que je remonte le truc. Oh je... Mais c'est horrible! Le pauvre, je vais lui mettre ça dans sa gueule pour qu'il me dévore. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? J'aimerais bien avoir un contact avec les développeurs quand même, échanger quelques mails de discussion afin de savoir d'où vient cette idée de se dire on va faire un jeu où le concept du jeu est de mourir. Trouver des moyens de mourir tout simplement, Michel. Hein. Je vois trop le mec au moment de faire le script. Non mais attends, c'est quoi? Tu veux qu'on fasse en sorte de mourir? Bah ouais, ça peut être sympa. Ça peut changer un petit peu. Écoutez, on va descendre le truc, mais moi ça me fait quand même de la peine pour cette petite bête. Bon, vous êtes prêts? Parce que là, il va la prendre en pleine gueule. Attention, go! Ah, j'étais sûre. Ah là, ça l'a mis hors de lui. Maintenant, il est vénère. Et voilà! En mode boss. Et là, moi, il va me péter ma gueule. Je vais me mettre au niveau de la croix. Et voilà! Tada! Appelez-moi, n'hésitez pas. Quand vous êtes bloqué sur des petites parties comme ça, n'hésitez pas. Moi, je trouve la solution assez vite. Hein. Si vous êtes face à un Kraken un jour, au cas où, bah, n'hésitez pas. Hein, c'est franchement. Et again. Ok, donc là, ça recommence. On y est retourné. Mais maintenant, c'est différent. Donc, le premier, il est juste là. J'ai l'impression qu'on a moins de chapitres qu'avant. À moins que ça va être ajouté au fur et à mesure. Ou à moins que. Je sais pas. Oh, trop bien! On est en mode petit jouet. Excellent. Donc, admettons start. Ok. Non mais c'est trop stylé! Non mais... Oh j'espère que c'est pas un truc qu'il faut suivre tout un parcours. Oh j'ai trop peur que ça soit ça. Mais non, c'est un truc de malade. J'ai l'impression vraiment qu'il va falloir suivre un parcours. Ah, parce que je suis tombée? Non, c'est quoi ce bruit? Ouais, c'est ça, j'ai tout un truc à dessus, je pense. Je vais me mettre là, dans le carré, non? Je sais pas. J'entends que ça continue de rouler, attendez. C'est ça. Et à la fin, goal, il faut que je me prenne la balle, je pense. Ah, tout se relance. Ok, c'est bon. Nice. Mais ça va être hyper tendu, hein. Ok. Attention, ça va arriver. Bim. Maintenant, Kiki. Putain.
Je suis concentré, hein. Pardonnez-moi d'avance si je parle pas beaucoup. Je dois faire quoi? J'étais même pas encore au milieu, vous vous rendez compte? Si j'avais été regarder à droite, j'en vais... Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ça aurait été mort, c'était foutu. Alors là, j'ai géré. Une petite pluie de GG, s'il vous plaît, dans les commentaires, parce que là, j'ai géré. Bon, du coup, les copains, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère, en attendant, qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce Suicide Guide 2. Franchement, il est pas mal, ils l'ont complexifié, ça se voit clairement. Il était beaucoup plus simple avant. C'est peut-être pour ça qu'il y aurait peut-être moins de niveaux, techniquement. Peut-être parce que ça a été complexifié, je sais pas encore. Du coup, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux. De toute façon, tout est listé dans la barre d'infos. En attendant, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.